diocèse de Bafia là. Oui. Le diocèse de Bafia que vous connaissez, pour ceux qui connaissent bien cette ville de Bafia là. Et maintenant, rapporté qu'on a fermé ce diocèse là. Ah, posez-moi la question, pourquoi est-ce qu'on a fermé ce diocèse? Je n'ai pas entendu à la maison pourquoi, monsieur l'ambassadeur. Parce que depuis l'histoire de Monseigneur Jean-Benoît Bala, ça continue toujours. Même comme on l'a enterré là, ça continue toujours. Oui. L'histoire là est en train de faire monter, non? C'est en train de faire gaffe là dehors. Puisque, à l'heure que je vous parle, à l'instant T, oui, même à l'instant X, oui, à l'instant T que je vous parle, on a profané la tombe de Monseigneur Jean-Benoît Bala. Oui, on a profané la tombe de Monseigneur Jean-Benoît Bala. Oh, Jésus Christ. Merde. Et ça se passe comme ça la nuit de lundi, hein? Oui, ça se passe comme ça dans la nuit de lundi. Dans la nuit de lundi. Pendant que les gens dormaient, il y avait d'autres qui travaillaient dans, sur la tombe de Monseigneur Jean-Benoît Bala. Oui. Pendant que les gens dormaient, les gens comme ça, tapis dans l'ombre, travaillaient sur le corps, sur la tombe de Monseigneur Jean-Benoît Bala. C'est le matin qu'on a vu les traces de sang sur sa tombe. Oui. Les traces de sang. Un peu comme si on avait égorgé le gap là-bas de la poule, quoi. On se pose bien des questions et des questions de ce qui s'est passé. Est-ce que Monseigneur Jean-Benoît Bala, dans sa tombe-là, il était encore, son corps était encore frais? Ah, justement, c'est la question que je pose, non? Je pose juste une question. Mais le sang frais vient encore faire quoi au-dessus de sa tombe? Ou c'est, voilà, quelqu'un me pose la question de l'autre côté si c'était un rituel. Ça ne peut qu'être ça aussi, hein? Ça ne peut qu'être un rituel parce que qu'est-ce que le sang vient faire chercher sur la tombe? Ça veut dire que ceux qui ont, comment on dit qu'on l'a seulement tué, non? Ça veut dire que ceux qui l'ont tué là sont encore venus de nuit pour faire le rituel. Ah! Oui, chers téléspectateurs, ça c'est la question qu'on doit se poser. On doit se poser des questions et des questions. Oui, on ne peut que dire ça, non? Ça démontre que la mort du type là, ce n'est pas comme on pense là. Hein. Oui. Puisqu'à un moment, je me disais aussi que peut-être il est mort comme ça aussi. Mais avec la lutte des choses, je comprends que non, qu'il y a eu même là derrière sa mort là. Oui, je veux rejoindre ses amis évêques là. Qu'il y a eu même derrière la mort de ce monsieur. Puisque malgré qu'il est dans la tombe, on vient toujours encore pour. Ah, on peut encore faire où c'est les rituels ou c'est quoi encore? Merde, c'est étonnant, hein? Je me posais des questions et des questions. Parce que je vous rappelle que ceux qui sont, généralement, qui sont des gens des ténèbres là, les agents des ténèbres là, ils sont très forts dans les machines rituelles là. Ils sont très forts dans ce jeu de rituel. Oui, ils sont très forts. Ils sont très forts dans les choses dans ce rythme-là. Ah. J'ai écouté comme ça, le sortissant de là qui disait que les yeux Jean-Benoît Bala s'est reposé. Ah bon, j'écoutais comme ça. Hein, sur mon compte Twitter, non? On m'a envoyé dans mon compte Twitter. Il y a une femme qui disait que les yeux Jean-Benoît Bala s'est reposé. Se reposer en paix. Elle dit qu'il parle, elle parle comme ça. Ces gens-là ont mis le coton dans les oreilles. Hein? Oui. Ces gens-là ont mis le coton dans les oreilles. Vous vous rappelez, Monseigneur qui l'a. Oh, comment son nom fut dans ma tête là? Oh, où c'est comme. Ah, où c'est à Congo? Où c'est à Congo? Ah, non, celui qui avait fait la messe, non? C'est Joseph à Congo là. Celui qui avait fait la messe pour dire au revoir à Monseigneur Jean-Benoît Balala. Quand il avait fait la messe, il a dit ceci dans son homélie. Qui est celui qui. Qui sont ceux qui tuent les prêtres dans ce pays? Ah ah! Oui! Il a dit ça. Que qui sont ceux qui tuent les prêtres dans ce pays? Et quand il a parlé comme ça, j'avais parlé de ça sur ses antennes. Puisque quand il a parlé de ça, la nuit, la même nuit, non? Le même jour. La nuit, ceux qui travaillent beaucoup la nuit là, hein, les gens tapis dans l'ombre là, ils
sont venus la nuit pour leur rendre visite. Pour dire que, mais où est ce gars qui est venu, où est ce gars qui a troublé notre sommeil là? Où est ce garçon là qui a trop parlé, qui a trop dit de vérité, qui a trop dit de vérité là? Il est où? Où est celui qui a profané beaucoup de vérité lors de l'homélie là?